Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon. Elle était 6, leçon 2, 12 mois et les 4 saisons. On va parler dans cette unité sur le temps, quel temps fait-il, les 4 saisons, si on va dire il fait, the weather is hot, cold, how can you say the sentence about the weather. Alors, on commence ici par le livre. Ouvrez le livre, page 53. Exercice 1. On va lire et écouter, associer chaque petit texte à un dessin. Alors, on a ici 4 photos. Qu'est-ce que vous voyez dans la première photo? La première photo, on va voir un bonhomme de neige. Il y a quelqu'un ou un garçon et une fille. Ils portent des vêtements d'hiver. Ils portent un bonnet et aussi ils portent un anorak. D'accord? Photo numéro 2. Il y a un homme ou une femme qui marche avec son fils, son bébé. Il y a des arbres, des fleurs. Pour l'image numéro 3, il y a un garçon et une fille. Il y a un arbre. D'accord? Mais ici, il porte un t-shirt et un short. Pour l'image numéro 4, il y a un garçon ou une fille. Elle porte un manteau, des bottes. Il y a ici un arbre sans feuilles. Alors, bon, avant de commencer à lire la description de chaque photo, on va écouter ensemble la description. On va écouter ensemble la description des. Pardon. Ici, la description des 4 saisons. Alors, on commence par numéro A. En automne, il fait frais. Il pleut souvent. Il y a parfois du vent. Les jours sont assez courts et en octobre, il fait nuit à 18 heures. Les feuilles des arbres sont rouges, oranges ou jaunes. Elles vont bientôt tomber. Numéro B. En été, il fait beau parfois quand les jours sont très longs. Le 21 juin, il fait nuit à 22 heures. Sur les marchés, il y a beaucoup de fruits, des fraises, des pêches, des melons. Les enfants ont des grandes vacances en juillet et en août. En hiver, il fait froid et parfois il neige. Il n'y a pas de feuilles sur les arbres. Les jours sont très courts. En décembre, il fait nuit à 17 heures. Les enfants attendent le Père Noël à la montagne. C'est la saison du ski et du bonhomme de neige. Au printemps, il fait doux. Nature se réveille. Il y a des petites feuilles vertes et des fleurs sur les arbres. Les jours grandissent en avril. Fait nuit à 21 heures dans les jardins. C'est la saison des carottes, des salades et des œufs en chocolat. Donc, on a ici nos 4 saisons. Ce sont l'automne, l'été, l'hiver, le printemps, l'automne, the autumn, l'été, the summer, l'hiver, the winter, le printemps, the spring. On répète encore une fois. L'automne, l'été, l'hiver, le printemps. Pour dire, if I want to say in the summer, in the winter, je vais dire en automne, in the autumn, en été, in the summer, en hiver, in the winter, au printemps. Au printemps, d'accord? Ici, au printemps.
Et bien, ici, on a en avec en automne, en été, en hiver, mais printemps au printemps. Avant de compléter notre leçon d'aujourd'hui, on va regarder ensemble une vidéo sur les quatre saisons. Alors, on regarde ensemble. Les jours, les semaines, les mois et les années. La semaine. Dans une semaine, il y a 7 jours. Pour commencer par les jours de la semaine, the days of the week, we should to say that we have 7 days per week. La flèche suivante représente une semaine. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Le premier jour de la semaine est lundi. Le deuxième jour de la semaine est mardi. Le troisième jour de la semaine est mercredi. Le quatrième jour de la semaine est jeudi. Le cinquième jour de la semaine est vendredi. Le sixième jour de la semaine est samedi. Et le septième et dernier jour de la semaine est dimanche. Alors, les 7 jours de la semaine, ce sont lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je vais répéter encore une fois, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, si on va dire... Le premier jour de la semaine, c'est quoi? C'est le lundi. Le dernier jour, c'est quoi? Le dimanche. Le cinquième jour, c'est le vendredi, par exemple. Alors, on complète. Samedi et dimanche font le week-end. Les semaines se suivent. Après dimanche, c'est le lundi de la semaine suivante. Une année. Dans une année, il y a 4 saisons. Alors, on va voir ensemble les 4 saisons, the 4 seasons. L'année commence et se termine par l'hiver. Après l'hiver vient le printemps. Après le printemps, c'est l'été. Et après l'été, c'est l'automne. Une année dure 12 mois. Alors, les 4 saisons, hiver, printemps, été, automne, et on répète encore une fois, hiver, printemps, été, automne. Et dans une année, il y a 12 mois. On commence les 12 mois de l'année par janvier. Le premier mois de l'année, c'est janvier. Le deuxième mois de l'année, c'est février. Le troisième mois de l'année, c'est mars. Ce sont les mois d'hiver. Le quatrième... Alors, on a ici janvier, février, mars. Ce sont les 3 mois de l'hiver. In the winter. Janvier, January, février, February et mars, les 3 mois de l'hiver. Le mois de l'année, c'est avril. Le cinquième mois de l'année, c'est mai. Le sixième mois de l'année, c'est juin. Ce sont les mois du printemps. Le septième mois de l'année, c'est juillet. Le huitième mois de l'année, c'est août. Le neuvième mois de l'année, c'est septembre. Ce sont les mois d'été. Le dixième mois de l'année, c'est octobre. Le onzième mois de l'année, c'est novembre. Et le douzième mois de l'année, c'est décembre. Ce sont les mois d'automne. Alors, avant de commencer par l'année bissextile, on va dire
les mois de l'année, ce sont janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ce sont les 12 mois de l'année. Année bissextile. Une année dure 365 jours. Ce sont les années dites régulières. Une année bissextile dure 366 jours. Le jour supplémentaire est le 29 février. Année régulière. Prenons l'exemple de l'année 2018, qui était une année régulière. Le dernier jour du mois de février 2018 était un 28 février. Le jour suivant était le 1er mars. Le dernier jour du mois de février d'une année régulière est le 28 février. Année bissextile. Prenons l'exemple de l'année 2012 qui était une année bissextile. Le dernier jour du mois de février de l'année 2012 est un 29 février. Le mois de février de l'année 2012 comptait 29 jours parce que c'était une année bissextile. Le jour suivant est le 1er mars. Alors, pour parler du temps, on va voir ensemble la question de quel temps fait-il pour parler de la météo? Quel temps il fait? Quel temps fait-il? Quel temps Il il fait fait? quel temps? Quel temps il fait? Il fait beau. Il fait beau. What does it mean? Il fait beau. Il fait beau, ça veut dire the weather is good. D'accord? Il fait mauvais, bad weather. Yep, ici, il fait beau, good weather. Il fait mauvais, bad weather. Il fait mauvais. Il fait chaud. Il fait froid. On a ici deux expressions pour dire il fait chaud, ça veut dire the hot weather, il fait froid, cold. Et si il fait beau, en quelle saison il fait beau au printemps, in the spring, il fait beau, il fait chaud en été, in the summer, il fait chaud, il fait froid, on dit il fait froid en hiver, d'accord? Et il fait mauvais en automne. La température. Il fait chaud. La température, ça veut dire la température. Et si elle fait chaud, hot, Il fait bon. il fait bon, Il fait doux. il fait doux, Il fait frais. il fait frais, Il fait froid. il fait froid. Il fait 30 degrés. C'est la canicule. Alors, on peut s'arrêter ici et on va voir ensemble les vocabulaires dans la fiche et on commence par quel temps fait-il, what is the weather like, et on commence par les jours de la semaine. Et si on commence par le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. On répète encore une fois, les jours de la semaine, ce sont le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Maintenant, on va voir ensemble les mois de l'année d'Amantes. On commence par janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Encore une fois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre.
Les quatre saisons sont l'automne, l'hiver, l'été et le printemps. On répète encore une fois, les quatre saisons, l'automne, l'hiver, l'été et le printemps. Alors, on complète encore une fois. Le soleil ensoleillé. It's sunny. If I want to say a sunny. Soleil ensoleillé. Nuage, nuageux, nuage, nuageux. Cloudy, éclaircier, ou couvert, éclaircier, ou couvert. Orage, orage. So what does it mean, orage? Orage. Et vent, wind, vent, le vent, le vent, le vent, la neige, la neige, la neige, pluie, averse, pluie, l'averse, it's raining. Alors, on a ici, elle fait chaud, elle fait froid, elle fait beau, elle fait mauvais, ce sont les quatre expressions pour décrire le temps, hot, cold, good, bad. Alors, les contraires des adjectifs qu'on a maintenant, le soleil brille, le contraire du soleil brille, il pleut, il fait beau, le contraire, il fait mauvais, il fait chaud, il fait froid. Je répète encore une fois, le soleil brille, il pleut, il fait beau, il fait mauvais, il fait chaud, il fait froid. Et c'était notre leçon d'aujourd'hui. On a parlé sur le temps. Quel temps fait-il en été, en hiver, en automne et au printemps? Merci beaucoup à votre attention aujourd'hui et à la prochaine fois.